Salut à tous. Hop. Je vais attendre que tout le monde soit prêt pour le live. On va attendre que ça passe sur l'écran. Procycle Manager. Oui, on va être parti pour ce live, hein. Voilà, ça y est. Alors du coup les gars, on est parti pour le Tour de France 2021. Et oui, comme vous pouvez le voir, Tour de France 2020. Alors, 2021, il est là. Avec la première étape, Brest-Landerneau. Donc on est parti sur ces 21 étapes. Et on est parti déjà pour la première étape. Alors d'abord, l'équipe qu'on va choisir, on va personnaliser pour qu'il y ait d'autres équipes, parce que là, ça va pas le faire. Donc après on a Ineos, hein, pour information, qui est juste ici. J'ai demandé à des abonnés, ils m'ont dit ça serait bien que tu prennes cette équipe. Alors, voir déjà où est l'Arkea Samsic, parce que l'Arkea Samsic. Samsic, c'est une très grosse équipe française tout de même. Toute la Direct Énergie. Plus. Forcément, puis on va prendre aussi l'Arkea Samsic. Plus. Donc là, on a déjà beaucoup d'équipes. Puis il manque une équipe, et cette équipe, c'est l'équipe française encore. Où est-elle? C'est BB Vital Concept. J'aimerais bien savoir où elle est. Vendée U, Champion Cycle Transformation. Bon, si elle n'y est pas, tant pis, hein, mais Nippo Déco Provence. Sinon, on mettra, ouais, Nippo Déco Provence, au pire, si elle est là. Voilà. C'est bon, on va prendre donc la Ineos Grenadier. Les favoris sont. Allez, bah forcément c'est bien la Philippe. Alors on va regarder d'abord qui on va prendre. Ça reste très important tout de même. Donc Carapaz, oui. Sivakov, oui. Bernal, oui. Van Baarle, oui. Garen Thomas, on va pas le prendre les gars, parce que ça fera trop de leaders à la fois. On va prendre Jonathan Castroviro, je pense. Swift, on prend. Parce que Sprint, il y a quelque chose à jouer quand même sur l'étape d'aujourd'hui, par exemple. Il fait pas partie des favoris, mais il y a peut-être quelque chose à jouer. Bon, remarquez, il y a Katowski qui va jouer aussi, hein, aujourd'hui. C'est Katowski qui va sûrement jouer aujourd'hui, mais bon. On verra bien. Déjà, s'il fait partie des favoris. Kato, oui, il fait partie des favoris. Ben Swift sera son lanceur. Est-ce qu'on mettrait pas André Amador à la place de qui? C'est ça, c'est le problème. Après, on aura un Denis, reste très important. On va garder cette startlist. Elle me plaît bien. Carapaz et Bernal sont les deux plus forts. 82 pour Bernal, 81 pour Carapaz. Juste au niveau du contre-la-montre, j'aimerais bien savoir comment ça. Ils sont pas en super forme, par contre là c'est pas ouf à ce niveau-là. Ils sont pas 72, 71, 71, 71. Donc le leader sera Bernal. Puis si Bernal a des petits problèmes, ce sera Carapaz. Puis si Bakov, on verra comment ça se passe pour lui. Hein. 78, c'est largement suffisant. Et on va être parti pour cette première étape. Brest et Landerneau. Alors je vous dis tout de suite le gros objectif, hein, c'est le maillot jaune. Il n'y aura pas de maillot vert ou vert peut-être. En tout cas, il n'y aura pas du tout de maillot de meilleur grimpeur à aller chercher les échappés. On verra comment ça se passe. Mais je pense pas qu'on joue un maillot de meilleur grimpeur. Primoz Roglic, c'est combien en montagne? On peut savoir. On peut pas savoir pour Primoz. Parce que je sais que c'est la. Je sais pas combien il a, mais bon, on verra bien. Après le chargement, avec aujourd'hui une étape assez compliquée, ça va être très dur de s'imposer. Bon, on va essayer de faire tout péter, hein, dans le final, hein. Ne vous inquiétez pas que ça va exploser de partout. Avec Diego Canizzolo et Domenico Poggiovivo qui sont là, avec Quintana aussi. Pogacar est là, attention, hein, tout au long du titre. Brian Coquard est là pour la BBB Vita Concept. Et puis Marc Hirschi forcément est présent. Et Bourman est là, hein, à noter. Charman est en faveur aujourd'hui. Et Bourman devrait jouer sur le tableau du général en principe. Je pense qu'Alaphilippe va être dur à battre aujourd'hui. Hein. Ça va jouer être Van Aert, Hirschi, Alaphilippe. C'est les trois grands favoris. Je sens que je crois pas beaucoup. On va voir d'abord les notes.
Et ça passe, ça passe, ça passe même très bien, ouais, ça passe super bien, c'est parfait. C'est vraiment parfait, bon, c'est pas intéressant non plus, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, quel Landa à présent? Landa c'est 80. Vincenzo 78, donc je pense pas que ce soit un des favoris. Rigoberto 79. Matteo Moschetti là. Pokémon Lima 78. Jakob Fuglsang 77. Tiens, Adam Yates ici, je jouerai pas le général, je sais pas. Vlasov. Tiens, et voilà, il est beau Julien Lafilippe avec son maillot de champion du monde. Il lui va bien, hein, ce maillot. Pinot est là. Thibaut 80 montagne, je pense que ça va être dur pour lui. On a les mêmes stats avec Bernal, sauf qu'on a un petit plus 1 pour Egan au niveau de la montagne, sinon après le reste, c'est équivalent contre la montre. Alors par contre, il va falloir qu'on place tout le monde devant. On va placer ça vers Lutsenko. Et mettre tout le monde à 80. Le porteur de bidon, ce sera. J'aurais bien mis Van Barle. Van Barle, oui. On va mettre Van Barle, porteur de bidon. On va mettre Dylan Van Barle, porteur de bidon, pour tout le tour. Salut E.D 2.0. Comment ça va? Allez, on est parti avec. Voilà, attention, il y a des petits bugs. Nathan, c'est comment? Donc pour l'instant, pour l'échapper, on a Zaitz et Samitier et Jacopo Mosca qui est sorti l'italien mais qui va se faire rattraper par le peloton parce que ça va pas laisser partir Maider et Vlorepel se mettre en chasse. Je vois que sur le live ça bug un peu. Non, ça va, non, ça va, ça va. Vous dites les gars dans le chat si ça bug. Il va falloir faire attention à la météo aujourd'hui parce qu'avec la pluie il peut y avoir des chutes. Hein. Ça reste très 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 dangereux, notamment pour Egan. Hein, parce que si Egan tombe, il restera plus que Carapaz. Alors je préfère que Egan tombe aujourd'hui et que ce soit déjà joué, que bah, Carapaz soit immédiatement leader. Parce que s'il tombe sur les dernières étapes et Carapaz le général déjà joué, bah ça ne servira à rien. À ce moment-là, on aura tout perdu. On va dire à Dylan Van Barle d'aller chercher les bidons. On va tomber sur Egan. On va accélérer. Ben Fift est là, avec son maillot de Grande-Bretagne, champion de Grande-Bretagne. On va regarder au niveau des formes. On peut pas s'acheter le pavé là. Alors, à la Philippe. On n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas les formes. J'ai l'habitude de tant cycliste. Mais on n'a pas les formes. Regardez du coup Pogacar. Pogacar c'est 82. Et il est meilleur contre la montre quand même. Ça va être dur d'aller battre. Michael Landa, bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Pour moi, les trois gros favoris, c'est Quintana, non, non, Quintana, non, Bardet, Bardet non plus. Pour moi, les trois gros favoris, c'est Egan Bernal. Ah oui, Tom Dumoulin, non, Tom Dumoulin pas assez fort. Primož Roglič, on est meilleur Primož Roglič, hein. Bon, par contre, c'est pas la même contre la montre. Et puis, forcément, Tadej Pogačar. Pour moi, c'est les plus forts actuellement et les plus dangereux pour le général final. Après, voilà, comme vous avez pu le voir là, il pleut. Abandon Tom Dumoulin. Chute de Tom Dumoulin et abandon. Abandon immédiat. Ça, c'est une grosse surprise. Je n'avais pas vu qu'il était tombé parce que j'étais en train de regarder le chat. Et là, effectivement, il est tombé. Abandon Tom Dumoulin. Très grosse surprise de le voir abandonner. Déjà, c'est vrai qu'attention, hein, la pluie est présente. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de chute dans notre équipe. Mais déjà, un abandon. Et là, derrière, ça casse un peu. On a Daniel Martinez présent ici. Avec cette bonne marque juste devant. Attention, Richie Porte aussi peut jouer sur les tableaux. Richie Porte, je sais pas ce qu'il a fait, mais 74-70 contre la montre, les gars, c'est pas ouf. Hein. Pour un ancien pro du contre la montre, comment vous dire? Oui, je regarde mon chat, effectivement. Ne t'inquiète pas. Et là, j'ai vu que tu étais parti. Il y a Tom Dumoulin qui vient d'abandonner sur chute. Passage. Ah, encore un leader lâché. C'est chute de Ryan Barguil, tiens. Barguil, lâché, il est reparti. Heureusement pour lui, est-ce que ça va l'attendre derrière? Je pense pas, parce que le leader, forcément,
C'est Nairo Quintana, mais Barguil, bah déjà hors course. Bon, en général, il n'était pas très important, mais quand même, pour la win aujourd'hui, c'était important. Il risque de perdre un peu de temps. Thomas Bouda pourra presque l'attendre avec Maxime Bouet, mais bon, ça n'a pas trop envie, visiblement. Bah, Rennes ne reviendra pas. Regardez si vous m'entendez parce que j'ai des doutes des fois. Oh, c'est bon, tout le monde m'entend. Parfait. Donc encore un call. Il est toujours très cher, ouais, c'est fini. C'est fini pour Warren Barguil qui est déjà hors course dès la première étape. Rémi Cavagna qui a pris un petit point, donc pour l'instant tout le monde est à égalité. Logiquement, le maillot de meilleur grimpeur devrait s'offrir au vainqueur de cette étape. Parce qu'il y a 2 points à aller chercher au sommet. De la côte de la fosse. Oui, je t'ai reconnu, t'inquiète pas. Hein. Je t'ai reconnu. Enfin, c'est un pote IRL que vous connaissez pas, donc voilà. C'est un pote IRL. Alors attention, on va arriver dans les derniers kilomètres. Là, va falloir être placé. Tout le monde est passé devant normalement. Allez, on va aller chercher les bidons. Carapaz. Donc Bernal Carapaz, Sivakov. Katowski va se mettre dans la route Bernal. Swift aussi. Après la route Castro. Non. Comme ça, là, ce serait mieux. Et Castro en premier. Et on va faire rouler. Castro en effet au curseur. Devant, en attendant le retour d'Ilan Van Baart qui se mettra à rouler juste derrière. Ils sont tous en mauvaise forme. Allez, on va remonter sur le côté gauche de la route. Et imposer un très gros tempo. Avec déjà des coureurs lâchés encore. Maxime Chevalier. Masco pour la CCC, et puis Warren Barguil déjà très loin. Ça va être dur. Coup dur pour lui. Pourquoi cher? Pourquoi? Je n'ai pas compris là. Allez, Castro qui va accélérer le rythme. Le 93. Allez, sur la droite de la route. Dubois Sennhagen. Et Kreuziger, Romain Kreuziger. Il a porté les bidons, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'il s'est écarté immédiatement. Bon, je crois qu'on n'aura pas de bidon pour finir l'étape, malheureusement. Hein. Et Juan Denis, il aura fait n'importe quoi. Bon, nice. Juan Denis, on va l'enlever du machin, ça sert à rien. On va faire ça comme ça, de toute manière. C'est fini. Et on va continuer à accélérer le rythme. Ah bah non, Juan Denis, finalement, remonte. Parfait. On se met dans la route Castro très très vite. Et Dylan Van Baarle pourra. On va écarter tout le monde. Le gel pour tout le monde. Puis il va faire son taf, lui. Hein. Voilà. Et on va lancer maintenant Sivakov. L'accélération dans le col immédiatement. Castro il va s'écarter parce qu'il nous gêne là. Là. Et on est parti. Bon, on n'aura pas de bidon pour finir malheureusement. Bon, Ben va sauter immédiatement. Katowski va voir passer. On va ralentir un peu le rythme. Pour espérer quelque chose. Est-ce que Bernard pourrait jouer la win aujourd'hui? Non, il n'a pas l'accès pour. Par contre, Carapaz, lui, peut la jouer. Hein. Lui, il peut la jouer, Carapaz. Peut la jouer, Carapuce. Largement jouable. Ken Van Baarle qui a ravitaillé tout le monde, c'est bon. Et là, on va accélérer. Là, il faut lancer le sprint avec Pavel Sivakov. Pendant que Dan Martin lance son sprint. Désolé pour le bloc. Bernal va lancer maintenant. Vous savez quoi? On va lancer tout le monde. Pas Katowski. Si, on va lancer Katowski aussi. Swift, la même. Les autres, on s'en fout. On va essayer de faire une bonne place avec Egan Bernal. Et la victoire, c'est pour Dan Martin devant Hirschi. Et par contre, Julien Alaphilippe aura fait n'importe quoi. Hein. On va te placer avec Egan, je pense. On va peut-être prendre le maillot blanc. C'est peut-être jouable. Non, c'est Vlasov qui va le prendre. Vlasov qui va prendre le maillot. On va faire vite. 9e place pour Benfis. Bon, pas très bonne étape de notre part. On aura géré. Il y aura attention aux cassures. Attention aux cassures, ça risque d'être dangereux. On a quitté piégé. On n'a pas un grand nombre de piégés. Coquillard aussi. Chess Boy, Fernando de Gaviria. Ouais, personne de grand monde de piégé. Pas tranquille pour tout le monde, sauf pour cet homme. Warren Barguil. On aura fini cette étape. Ouais, t'as raison. T'as raison. Je sais pour Barguil. Avec le vainqueur de cette étape. Qui est là, Marc Hirschi devant Daniel Martin. Décevant, Julien Alaphilippe aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir la meilleure équipe du coup. Hein, puisqu'on a deux coureurs placés dans le top, trois coureurs placés dans le top 10.
McKerchie, maillot jaune. Il portera pas le maillot blanc, mais je pense que c'est Vlasov qui portera par procuration. Au maillot vert, force. Maillot vert, par d'abord, c'est Ballerini. Pour le Quick Step. Classement par points sur surprise, c'est McKerchie. Daniel Martin le portera. Voilà l'étape suivante. Et effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est Vlasov qui le portera. Ce maillot blanc. Pas de temps pour personne aujourd'hui. Effectivement, on a la meilleure équipe. Comme je vous le disais, meilleure équipe, Ineos Grenadier. Comme prévu. Et au général, c'est vrai qu'on a quand même trois coureurs passés dans le top 10. Ça, je peux vous dire, ça fait plaisir. Et on va être parti immédiatement pour la deuxième étape. Quel pote virtuel. J'ai pas compris pourquoi il disait ça, mais. Un pote virtuel. Pourquoi un pote virtuel? C'est IRL, hein, comme ça. Quand je l'ai fait dans le chat. Si c'est ça que tu veux dire. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est victoire encore de Hirschi, hein. Parce que comme elle est partie, je pense que ça va être Hirschi vainqueur. Il gagnera pas le Tour de France, Hirschi, hein. Il n'est pas encore assez fort en montagne. Faut qu'il ait un meilleur niveau. Mais bon, Katoski encore favori. Ah, Van Aert plus favori. Attention à Van Aert, remarque aujourd'hui. Attention à lui. Alors là. Ouais. Bon, le moins 2 pour Egan, c'est pas top, mais ça passe quand même. Le moins 1, pardon. Castro plus 3. Bon, c'est pas vraiment lui qu'on attendait. Katoski 0. Carapaz aussi, bon, c'est pas ouf, mais bon, on peut avoir pire, hein, très franchement. On va attendre d'avoir les étapes de montagne, parce que là, on est très très loin des étapes de montagne encore. Enfin, très très loin, on va regarder ce qui reste. Alors, les étapes qui vont venir, elles sont au classement. Étape. Donc là, aujourd'hui, c'est l'étape de cette étape 2. Ensuite, on aura l'étape 3, toute plate. Étape 4, plate. Étape 5, chrono. Alors là, le chrono, ça va être tendu parce qu'on n'a pas du tout les stats pour un chrono. Ensuite, on aura encore une étape de plat. La première semaine est très, très, très inintéressante, sauf la 7e étape avec l'arrivée au Crozo. Ça va être une étape très dure, très physique dans les derniers kilomètres. L'étape 8 sera encore plus compliquée avec l'arrivée au Grand Bornand. Très, très dure. Puis Clustin. Donc là, on va enchaîner trois étapes de folie. Où il va falloir être très très fort. Après Albertville-Valence, étape au sprint. Non, étape normale, qui va passer près de chez moi. Après une arrivée à Malocène, une étape encore très très compliquée. Je crois que c'est l'étape avec deux fois le Mont Ventoux. Donc ça va être une étape très très dure. Après une étape de plat. Plusieurs étapes de plat. Puis après une arrivée à Tillon, Carcassonne-Tillon, qui devrait être assez compliqué. Là aussi, après, on sort de France pour aller vers Andorre-la-Vieille. Ça va être assez compliqué là aussi. Puis après, on arrivera sur des étapes vallonnées. Peut-être pour Julien Alaphilippe notamment. Là, une étape 100% montagne. Avec le col de. Je sais pas quoi. C'est le col du. Col du Portet. Col du Portet. Je crois que c'est un nouveau col. Hein. Je suis pas sûr. Après, pause Luz Ardiden. Je sais pas si c'est pas une nouvelle étape ou une étape qu'on avait qui a déjà été faite. Avant, sur le tour 2019, je crois. Attention, je vais donner les bidons, j'attends de regarder ça. Diane, les petits bidons, ça ferait plaisir. Voilà. On va accélérer. Et puis l'étape 20, un contre-la-montre de 30 km. Donc je crois au total, il y a deux contre-la-montre ou trois. J'ai un petit doute. Deux contre-la-montre, je crois, si je ne me trompe pas. Puis voilà l'étape mythique que tout le monde connaît. Château, Paris sans les Élysées. Alors, Champs-Élysées, oui, par contre, Château, non, parce que voilà, c'est. On pas toujours du même endroit, hein. Heureusement. Mais voilà quand même. Et chute de Jack Egg derrière. Qui est reparti. Qui est reparti de backer. Au sprint derrière avec Elia Viviani. Brian Cocquart mal placé. Nasser Bouhanni aussi. De toute façon, c'est pas eux qu'on attend aujourd'hui de toute manière. Hein. C'est pas les coureurs auxquels on doit s'attendre. Allez, on va prendre immédiatement. La côté de la guette, puis le mur de Bretagne qu'on va faire deux fois d'affilée, avec 20 points au sommet, dernier col, et beaucoup, hein. Donc celui qui gagne cette étape, gagne le maillot meilleur grimpeur pour l'étape prochaine, enfin il l'aura
pour la prochaine étape. Des cassures derrière. Le maillot, une caisse distancée? Non, 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 c'est juste un. J'ai ralenti, effectivement. Mais on a presque créé une cassure. Je pense pas que ce soit vraiment à nous de le faire, de créer des cassures. C'est pas vraiment notre terrain propice. Hein. Nous, on attend la montagne. Je pense pas qu'on va faire la montagne aujourd'hui. Mais on va tenter des choses. Je vous préviens tout de suite, on va tenter des choses avec Benfist. Avec d'autres coureurs encore. Avec le mur de Bretagne. Regardez, il est dur ce mur de Bretagne. Hein. Et d'ailleurs, l'équipe Trek Segafredo, c'est toi qui l'a compris, qui essaie d'accélérer le rythme. Nicolas Roche maintenant qui se met à rouler à fond. Qui passe même une attaque, Nicolas Roche là. Non. Et Julien Alaphilippe, il va. Alaphilippe est en train de se cramer pour rien. Hein. Je ne comprends pas trop la technique de Julien, mais bon. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Alors, on va faire un train. Qu'on aura passé la dernière petite bosse qui est ici, et voilà. Là, on va faire le train. Carapaz, Sivakov, Juan Denis, Castro. On va faire ça même parce que Juan Denis c'est bon. Et puis voilà, c'est déjà pas mal comme train. Puis Katoski va se mettre dans la roue ici. Puis on va laisser lui au repos. Ben Fift, aujourd'hui, il peut pas gagner, je pense. Hein. Ah, quoique, on va quand même essayer. On sait jamais avec Ben dans la roue de Katoski. Ça peut tout de même être un minimum intéressant. Salut Bouncer. Salut. Et il va falloir accélérer là parce que là on va se retrouver avec plein de blocs. Ça c'est pas ouf. Vraiment. Ouais, Denis. Qui va remonter. Castro est là. Et Dylan Van Baarle lâché. Super, on va pas avoir de bidon. On va envoyer ici chercher des bidons. On peut plus aller chercher bidon. Bon bah super. Je pense qu'on va finir l'étape sans bidon les gars. Hein, parce qu'avec le mine qu'on est en train de mettre là, on va prendre le jet pour lui. Les trois premiers ici. Prendre Denis qui va essayer d'imposer un très très gros tempo. Oh, le petit coucou. Le poteau, là, hop. On va lancer maintenant. À fond. Jonathan Castrovero, 3 500 km de l'arrivée. On va prendre le gel. Pour Carapaz, Bernal, Katoski et Swift. Et Benfica, il faut qu'il remonte là. Les pour monter. Avec Vlasov. Son petit maillot blanc. Castrovero. Qui accélère encore un peu plus le rythme. Qui va s'écarter. Non, on ne va pas s'écarter. Vous savez quoi? Il va continuer à rouler. Il va faire mal dans ce mur. À 88. Sivakov va prendre l'air dans pas longtemps, et c'est parti, il va prendre l'air maintenant. Pas avec Sivakov, avec du 93. Ça va faire très très mal. Très très mal même. Est-ce que là on a bien étiré, retourne jouer à la Philippe qui va être dangereux. On va lancer le sprint. Avec Pavel Sivakov. Essayer de placer tout le monde du mieux possible. Et maintenant on va lancer Mirakatoski. Allez, on lance tout le monde. Et là normalement c'est free win. Hein. Enfin, c'est pas encore fait, mais vu comment on est placé. Où est placé le maillot jaune? Le maillot jaune n'est pas placé. Le maillot jaune est très mal placé. Marquardt ne gagnera pas aujourd'hui. Alaphilippe est bien. Higuita aussi. Pinot aussi. Vlasov aussi. Et Romain Bardet aussi. Les Français bien placés. Et Katoski qui va essayer d'aller faire la différence. Une victoire pour Bernal. Et le triplé. Le triplé Ineos Grenadier. Et victoire de Richard Carapaz devant Egan Bernal. Et Mirakatoski. Sivakov vient faire 6. Et on confirme vraiment qu'on a la meilleure équipe aujourd'hui. Tu parles à qui, Bounceur? À moi ou à OED? OED. Est-ce que la cassure va être comptée? Je pense pas que la cassure soit comptée. Mais en tout cas, triplé Ineos Grenadier. Assez hallucinant. Cette deuxième étape, et moi qui croyais qu'on ne gagnerait pas Richard Carapaz qui prend sûrement les devants. Regardez, c'est incroyable cette image. Hein. 3 Ineos Grenadier, 1, 2, 3. Tout le monde en même temps. Et en général, qui observe son maillot. Et nous, on se place déjà deuxième et troisième. Alors, est-ce que ça va pas nous coûter des. Cher, ces bonifications avec Egan Bernal, je ne pense pas. Voilà, c'est pas grand-chose. Après, si on perd le Tour de France pour 4 secondes. J'aime les gens, bon, ça allez. Et le maillot de mer grimpeur, c'est pour Richard Carapaz. Ça fait plaisir avec Egan Bernal et Maca Katoski. Mira Katoski, 3e. Et 3 Ineos Grenadiers en tête du maillot de mer grimpeur. Ça fait plaisir. Belle image à voir. Le classement par points. Katoski qui se rapproche avec Bernal. Et puis forcément, le classement des jeunes, c'est pour Hirschi, mais Bernal va le porter. Donc demain, on aura, enfin, pour l'étape d'après, on aura 2 maillots. Ça fait plaisir, on n'est même pas la meilleure équipe. C'est du monde, ça. Regardez, le général est incroyable. On a
1, 2, 3, 4, 5 coureurs dans le top 11 de ce Tour de France. Bon, là aujourd'hui, étape chill. Bonjour Yorissou. Ouh là là, 5 pouces bleus, déjà ça commence à faire plaisir ça. Merci vraiment. On va lancer l'étape. Cette troisième étape, étape pas faite pour nous, très franchement. On va tenter quelque chose avec Ben Swift, mais même si je crois pas du tout, hein, voilà, je pense que c'est une victoire assurée pour les sprinteurs aujourd'hui. Attention à Van Aert, hein. C'est qui Uri Souvé? Tu le connais ou pas, Ed? Est-ce que tu le connais? Ça se trouve, c'est un deuxième punchy là. Je suis mort. C'est n'importe quoi ce live. Le petit plus 1. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait l'avoir égal, hein, le plus 1, mais bon. C'est pas grave. On va faire avec. Et Ben Swift, petit 0. Bon. Nizzolo va être dangereux sprint, hein. Non mais Yorisu c'est un pote hein, c'est un pote, un de mes potes il fait n'importe quoi là, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est un pote IRL que je connais et il fait n'importe quoi. Avec Carapaz avec son meilleur grimpeur, ça fait plaisir. Mac Tunisien présent, Devresse. Et devant, c'est Grelier qui est sorti avec Radier. Il y a deux Français en tête. Ça va ressortir avec Pierre-Luc Perrichon. Et maintenant, Oliver Neisen qui tente d'y aller. Non, c'est Lawrence Neisen, le frère. Frère Neisen, déjà, ça va remettre tout le monde là, devant. Là, c'est fini pour les deux Français qui vont se faire rattraper immédiatement. Avec l'attaque de Perrichon, nous, est-ce qu'on tient? Derrière, oui, nous, on tient. Avec le maillot blanc d'Egan Bernal. Celui-là, il a l'air trop bien. Ouais, il est grave bien ce jeu. Hein. C'est un jeu de cyclisme. Pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Et là, bah, je suis en train de faire le Tour de France 2021. Avec la Team Ineos. Tu vas découvrir le jeu au fur et à mesure. Des lives qui vont avoir lieu. Laurent Sanson qui est en tête pour l'instant. Avec Perrichon hiver derrière. Bernal bien placé avec son maillot blanc. Une nouvelle attaque encore avec Nathanaas. La Cofidis qui veut à tout prix prendre l'échappée, visiblement. Et Hardy qui veut pas laisser partir ou qui veut y aller carrément. Bon, Nathan qui va se rattraper. Et Nathanaas qui va peut-être essayer de contrer derrière, c'est sorti. Ça va revenir immédiatement. Et avec Bernal, son maillot blanc, ça fait plaisir d'avoir gagné dès la deuxième étape. Et du coup, se retrouver à égalité. Au général, avec Richard Carapaz. Avec Marc Hirschi, dans le même temps que le leader actuel, Marc Hirschi, où est-il? Le maillot jaune. Il n'est pas placé, attention hein, quand même. Il peut y avoir une chute, une cassure, et ça peut plomber son étape. Il est là, Marc Hirschi. Bon, il ne gagnera pas aujourd'hui, hein, de toute façon. Puis même, il ne gagnera pas du tout le Tour de France. C'est pas encore le tour de grand tour, hein, ça c'est une certitude. Pourquoi tu dis ça, Edé? Tu vas rater beaucoup de vidéos. C'est-à-dire. Tu es d'accord par là? Ok, à plus, bonne soeur. À plus. Dylan. Bon, c'est parfait, en plus, j'ai des mauvaises formes, Dylan Van Baarle, donc c'est parfait hein, qu'il soit. Tout simplement porteur de bidon. Alors par contre du coup devant c'est qui est sorti? J'ai pas fait gaffe, regardez le chat là. Et c'est Nathanaas et Van Hook. D'accord. La Cofidis qui a réussi à mettre un homme à l'avant, ça fait plaisir pour eux. T'es vraiment chelou là au bord des deux. Je sais pas ce que t'as mais. Allez, on va se faire la fin de cette étape, puis après on va enchaîner sur d'autres étapes. Je sais pas si on aura le temps de faire jusqu'à la 7ème étape, ça m'étonnerait. De faire une semaine de Tour de France dès le premier live, ça serait bizarre quand même.
d'enchaîner ça tout de suite, mais bon, pourquoi pas après tout, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller faire le sprint inter ici, là? Bon, de toute façon, c'est les sprinters. Ouais, non, les sprinters vont le faire. On va faire le sprint avec... soit avec Yadoski, soit avec... Il va passer Benswift, après, tu vas me dire. D'ailleurs, je pense que le maillot vert, au passage, va être très très dur à aller chercher pour les sprinters. Cette année, on va faire le sprint avec Katoski, hein. Et Van Baal. Et Swift. Allez. Il est où, le petit Katoski? Il est là. On va accélérer un petit peu. Et rapprocher du sprint intermédiaire. On va aller prendre quelques points. 6 pouces bleus. Oulala. C'est beaucoup, là. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, hein, au passage. Oula, ça accélère trop trop fort. Et là, on va pouvoir aller faire un sprint, là. Ça va être impossible à faire. On va lancer avec Marek Katoski et chercher des points. Swift aussi va se lancer. Et Katoski qui a essayé de chercher des points. Le bloc, je suis débité. On s'est fait bloquer avec Katoski. Tout ça pour rien. Et bon, on va finir placé, hein, mais bon, ça sert un peu à rien. On va les mettre à 80 d'ailleurs. Non, on va les mettre comme ça en attendant. Retour du peloton. C'est une grande vegan qui devrait gagner logiquement aujourd'hui. Et c'est derrière, devant, ça laisse partir. D'accord, bon, bah, ça laisse partir, ok. Hein. Non, ça me fait pas de soucis, j'ai des corps placés devant, mais. T'es encore là, Yorissio? Ou ED d'ailleurs? Qui est là? Qui est présent sur ce live? N'hésitez pas à dire dans les commentaires, les gars. On va accélérer parce que si ça roule pas derrière, autant y aller. Hein. C'est ce que je vous dis. Ça va pas rouler, ça va pas rouler. Hein. Comment ça revient maintenant? Ça revient à rouler? Je sais pas. Téléboine est devant, hein, donc c'est sûr que ça va pas rouler. Mais bon, quand même. On a déjà pris une minute d'avance, hein, mine de rien. Attention quand même, ne pas laisser trop d'avance. Cavagna qui va se mettre à rouler. Bon, je pense qu'on va se relever, ça sert plus à rien. Bon, on va se relever, hein. Bon, ça va revenir instantanément. Hop. On se passe sur le côté. On va attendre que ça regroupe. Et on va chercher les bidons. Avec Dylan Van Baarl. Et on va rester sur Egan, qui est le leader de l'équipe, hein, je le rappelle. Ouais, bon, une étape assez vallonnée sur la fin quand même. Quelques petits ballons. On va essayer de faire quelques cassures sur la fin. Pourquoi pas, hein, pour éviter que les sprinters soient placés. Je pense pas que ça servira à grand chose parce que voilà, il y aura du Wout Van Aert, hein, encore présent. Mais bon. On va accélérer tout ça. Là, je suis en train de regarder le chat. Pour l'instant. Ah bah nice, Michou est en... est en live. C'est parfait pour moi. Tout ça est sur le live là-bas. Mais bon, ça fait pas trop plaisir. Non, là, pour le coup, c'est Michou. On va faire du Among Us. Alors, je sais pas si je ferai du Among Us sur la chaîne, je pense pas. Hein. Faire du Rocket League. Du Minecraft. Surtout du Pro Cycling Manager, hein. D'ailleurs, pour le nouveau, n'hésitez pas à aller voir le nouveau logo de la chaîne, puis aussi le nouveau, la nouvelle bannière. C'est la chaîne. J'ai créé il y a quelques jours. Bidon, s'il te plaît. Ce qui est pas placé, par contre, ça c'est pas ouf. On va le replacer ici quand même parce que j'ai pas envie qu'il soit totalement lâché. On va mettre à 80, c'est largement suffisant. Il vous Dylan, les petits bidons encore s'il te plaît. Et là on arrive dans les petites bosses. C'est peut-être là que j'aurais dû accélérer. Bon, c'est pas vraiment le moment, mais bon, de toute façon, à mon avis, je pense que ça va pas changer grand chose. Est-ce qu'on tenterait pas une attaque avec Juan Denis sur la fin? J'ai bien envie de tenter quelque chose avec Juan. Je pense qu'on va tenter une attaque dans le final avec Juan Denis. De toute façon, il peut rien jouer au général, donc t'es là au KOD. Tu l'as fait fuir le pauvre. J'allais dire, je suis tombé sur un live de malade. On va attaquer dans pas longtemps. Les bidons, s'il te plaît, Diane, tu t'es là? T'attends qu'il neige. C'est bon, t'as ramené tout le monde, ok. Il est où? Juan Denis, il est là, il va remonter sur la droite de la route. Au passage, on va faire un train. Carapaz, ouais, on va le mettre dans... Non, on va faire l'inverse même.
Et après, on a la roue Ben Swift, qui sera dans la roue de Miral Kadeski. Dans la roue Pavel Sivakov. Pour 4. Ouais. Ça me va, ce mois. Moi, personnellement, ça me va. D'ailleurs, on va rouler un petit peu. Ça carré dans l'axe. Et on va peut-être même pouvoir prendre Dylan Van Baarle dans le train de sprint. Juste ici. Parfait. Franchement, parfait, les gars. Là, on a un beau train de sprint. C'est pas mal. Bien sûr que t'es mon meilleur pote, mais bon. Si tu veux faire les autres, c'est pas ouf, hein, quoi. Et ça casse pour le maillot jaune distance, et attention. Si ça casse ici, il faut pas que ça roule. Si ça roule pas, les gars, ils sont dans la sauce, là. Zegiri qui roule, Rudy Moller va s'y mettre aussi. Il doit y avoir un petit bout de pied, je suppose. Mais attention quand même, si le maillot jaune se fait distancer, bon, déjà, il ne sort pas dans le final. Arnaud démarre, il ne sera pas à l'approche, ça c'est une certitude. Il n'aura jamais le temps de revenir. Joao Almeida aussi piégé. Marc Sarro. Est-ce que Thibaut Pinot est piégé? Je pense pas que Pinot soit piégé parce que ça veut jouer le sprint, ouais. Il est pas piégé, mais ça va sûrement vouloir jouer au sprint. On va attaquer. On peut pas attaquer, ça sert à rien. C'est... On n'est pas assez fort avec Juan, mais par contre, on va rouler. On va poser un très très gros tempo pour tout faire sauter. Allez, faut y aller là. J'ai pour tout le monde. Hop. Puis on va commencer, on va prendre la route de Juan Denis, c'est quoi, puisque c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et on va accélérer maintenant, allez c'est parti, on va passer une attaque. Avec Juan Denis pour essayer d'accélérer au maximum le rythme et tirer sous peloton. Là je crois qu'on va peut-être faire une modification, parce que si on veut Ben Swift se placer, ça va être un peu compliqué. On va partir de Pavel, non même de Dylan Van Baarle, qui n'est pas placé du tout. On va essayer quelque chose comme ça. Et là ouais, on va pas te placer pour le sprint, hein. Quand Van Aert s'est placé. Victoire facile hein, pour Van Aert ou pour... je ne sais qui, on n'est pas placé du tout. Hein. Renovega n'est pas placé. Juan Denis qui va lancer 4 viraux. Bon, la vitesse de sprint, c'est pas ouf. Hein. 4 viraux qui va lancer maintenant le sprint. Oh là là, c'est une catastrophe. On est bloqué de partout. On va pas pouvoir faire le sprint du tout. Ah, c'est un enfer. Van Aert y va maintenant. Van Aert, c'est beaucoup trop tôt. La vitesse de sprint, c'est une tuerie. Ils sont nuls. Ils sont nuls le sprint. C'est honteux. Degan Kopp lance son sprint avec Caleb Ewan. Katowski qui va faire mal maintenant. Allez, Katowski, on s'est bloqué. Oh non, on s'est fait bloquer. Ben Swift, il pourra pas lancer. Bon, le sprint, ça sert plus à rien pour Ben Swift. Hein, on va lancer tout le monde. De toute manière. Voilà. Et on va voir si on peut aller faire peut-être un résultat avec Mira Katowski. On va faire un top 5. Top 5 aujourd'hui. Et victoire de Caleb Ewan, de Jan Groenewegen et Alexander Kristoff. Et on va passer Boston Hagen. Quatrième place du Mira Katowski. C'est surprenant. Très, très surprenant cette quatrième place. Je pense pas que la casse 50 hein, c'est PCM, hein, les gars. Donc, pas de cassure. Pourquoi il ramène tout le monde? Ça sert à quoi? Est-ce que je joue bien à la Philippe PG seulement? Je crois pas qu'elle la Philippe soit piégée, donc ça sert à quoi franchement? Combien dure temps mon live? Je sais pas, je pense que je vais arrêter à 20h peut-être. Ouais, le live va s'arrêter à 20h ou un peu plus tôt, je ne sais pas, je verrai. Je vais voir comment ça se passe. À la Philippe. Allez, Philippe, lâchez. Voilà pourquoi, on a la raison. Pourquoi ça roule, d'accord. Est-ce que la cassure comptée? Je pense pas. Pas de cassure comptée, je pense que c'est une étape totalement plate. C'est PCM, les gars, hein. Normalement il devrait y avoir cassure, mais bon, pas de cassure, je pense qu'on peut. On va savoir ça tout de suite d'ailleurs. En général, on prend les devants. Non pas qu'il y a surcompté, mais on prend les devants. Ça, ça fait plaisir. Richard Carapaz, déjà en jaune, malheureusement. Pour lui, ce ne sera pas lui le leader. C'est assez dommage par rapport à ça. Mais tant pis. Bernal, quatrième général, c'est bête. Parce que si Bernal gagnait, il serait déjà en jaune. Il aurait peut-être juste stoppé Richard Carapaz. Ça n'aurait pas été très fair play, mais bon. Bernal contre le même. Bernal contre le même meilleur grimpeur, du coup, par procuration, parce que Carapaz le porte. Caleb Ewan maillot vert, non, on est bien à Kataski quand même. Hein. On peut saturer en prenant quelques échappées, pourquoi pas, et aller chercher des points. Marc Hirschi devant Bernal, il va porter son maillot blanc demain, Hirschi. Et puis la meilleure équipe, c'est toujours pas nous, c'est bizarre quand même. C'est pas grave, on s'en fout, hein, mais c'est pas ça l'objectif, vous allez me dire, mais. En général, pas de changement. Hein. C'est mis à part la remontée de quelques coureurs. C'est qui a été censé? C'est Castro Hero? C'est Juan Denis qui a dû sauter du top 10. Pas de question comptée, je pense. On va voir ça, je pense que normalement les questions ne sont pas comptées. Enfin, pas de questions comptées. Juste voir les abandons depuis le début de ce tour, voilà, parce que les deux n'étaient pas là à un moment, et t'as pas vu l'abandon de Tom Dumoulin. Regardez, c'est le seul qui a abandonné, ça va être un coup dur pour Primoz Roglic, hein. C'était son lieutenant de course. Alors maintenant on va enchaîner avec cette quatrième étape, Redon-Fougère, étape encore de sprint. Bon, comme je vous le disais, une première semaine pas très intéressante, mis à part la septième étape. Puis après on va arriver sur des choses... Hein. Étape un peu plus dure dans la deuxième semaine, puis dans la troisième semaine. Ça va se compliquer de jour en jour. Il est bientôt 19h. Je pense qu'on va peut-être le temps de finir la première semaine aujourd'hui, hein, quelque part.
C'est pas impossible. Merci. Bravo, merci. C'est logique. Voilà. Mais ça fait plaisir du coup d'être maillot jaune. Ça fait plaisir, mais bon. C'est pas forcément ce qu'il aura fallu. Bon, du coup, il sera pas leader, je pense, Carapaz. Hein. Carapaz moins 2, en plus. Ouais. Ça va être dur hein, de gagner quand même. Mais t'as totalement plate aujourd'hui. Y a rien à faire. Mis à part peut-être que ça. Y a rien à faire. Hein. Aujourd'hui, c'est tranquille. Je vous dis, première semaine, tranquille. Le singe. Berbe singe. Carapace leader, on va pas rouler, de toute façon c'est pas à nous, même si on est maillot jaune, ça sert à rien, on peut pas gagner, donc je suis pas sacrifié, hein. Tant pis si l'HP va au bout, j'en ai rien à faire, de toute façon l'équipe qui sort. Bazen, c'est pas Oliver, je suppose. Hein. Deux Belges devant. C'est l'international, le frère. Bazen. Derrière, on a Grelier qui tente de sortir avec Reza, et mais Watchot va laisser partir, d'accord. Ça laisse partir, ah non. Hans, qui va se mettre au travail maintenant. Le spectateur m'a dit, on va faire la quête aussi, hein. Maintenant c'est devenu le leader au niveau du maillot vert. Hein. Au début c'était pas vraiment un objectif, mais bon, maintenant, c'est un véritable moins 3 pour Katoski. Pas ouf, pas ouf. Allez, 20 balles plus 2. Bidon. Bidon, bidon. Et du coup, je mets ma avec Bernal. Et c'est Hirschi qui porte le maillot blanc, effectivement. Carapace, lui, avec son maillot jaune, il est beau, ce maillot jaune. Hein. Ça va être dur, mais bon. De conserver. Puis, de toute façon, on saura immédiatement qui sera leader après le contre-la-montre. Hein. Après cette étape, ce sera un très dur contre-la-montre. Un contre-la-montre très dur. Totalement plein, mais 28 km, c'est long. Il va falloir avoir de la chance au niveau du vent. Bon, Carapace va sortir son dernier, mais bon, voilà. Quand on voit les stats, 71, 71, avec une mauvaise note, avec un moins 2, ça le fera pas. On va faire distancer instantanément. Bernal, là, c'est un peu mieux. C'est pas ouf, hein, quand tu compares avec un Primoz Roglic. D'ailleurs, je pense que Roglic devrait gagner le contre-la-montre. Hein, très franchement, il. Pas forcément le gagner, mais au moins être placé. J'aurais peut-être dû mettre Philippe Ogana, hein, il est champion du monde de contre-la-montre, pour aller jouer la victoire. Mais bon, on a déjà gagné une, c'est déjà pas mal. Déjà énorme. Ben Swift, c'est combien Ben Swift aujourd'hui? 0. Et il fait pas mal de 0, hein, Ben Swift. C'est ça qui va être compliqué quand même. C'est ça qui va être très compliqué. Bon, je peux te dire, on va pas le faire, ça sert à rien. On va laisser se débrouiller. Ça nous intéresse pas. Il prend un peu d'avance, 27 points d'avance. Attention, ça casse derrière là. Non, ça casse pas, j'ai rien dit. T'as vu bien que la Méjeanne. Ouais, non, c'est juste le. Ok. C'est 50 points l'arrivée, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un ça arrive maintenant. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est à tranquille. Première semaine assez tranquille, malgré le contre-la-montre et le petit étape, la petite 7ème étape. Sinon, pas assez tranquille. Je sais pas si on aura le temps de faire une bonne partie déjà à 19h. Hein. Je pense pas qu'on aura le temps. Alors. Le train va commencer à être formé. Train Sprint. Swift. Denis. Van Baarle. Non, on va faire ça comme ça. Laurent Denis va rouler. Le leader, on s'en fout. De toute façon, il perd pas de temps sur les étapes comme ça. C'est impossible. Les gars ne sont jamais comptés, donc ça sert à rien. On va pas les faire se fatiguer juste pour un sprint. Ça sert à rien. De toute manière, il n'y aura rien à tenter. Est-ce que Van Baarle suit? Aïe, aïe, aïe. Ah, les blocs, ça fait pas plaisir. Hein. Ah, les blocs, ils font pas plaisir, les blocs PCM. Hein. Vraiment. Van Baarle qui va se rapprocher, suit dans la roue. Ah là là, il n'y a personne de placé, on va faire quoi nous avec Van Baarle? On va lancer le sprint avec Van Baarle du coup, directement maintenant, ça va être compliqué, hein, mais on s'est bloqué. On va prendre la roue de Roman Dennis peut-être. Allez, va sur ce sprint maintenant. Et c'est pas trop rapide ça. Hein. Le sprint lancé par Dylan Van Baarle, on n'est pas placé. Ben Swift va pouvoir remonter un minimum. Van Baarle, il fait mal, hein, je pense à Ben Swift. On a peut-être lancé un poids trop tôt, je pense, qu'il est bon, je sais pas du tout comment il est. On va lancer ma raquette ski aussi. Je pense qu'on va être cramé pour rien. Donc on s'est cramé pour rien. On va mettre tout le monde au sprint. De toute façon, personne n'est passé. On va aller voir ce que ça donne avec du côté de Michael Kwiatkowski. Michael Kwiatkowski. Et Yoann qui s'écrase. Et Kamane qui remonte. Il va du les points. Les bonifs du coup, mais c'est pas grave. Avec Dylan. Il va plus se rapprocher dans le top 10, mais c'est pas grave. Ackermann. Qui vient faire toi, qui est le B1 qui apprend le maillot.
Maillot jaune pour Caleb. Mais c'est pas grave, hein. Attention, les cassures encore. Les cassures pas comptées, hein, mais il y a quand même un maillot blanc dedans. Les gars, c'est un truc de fou. À la Philippe piégé, on est sur le vrai Tour de France. Les gars, Hirschi, il est déjà à 2 minutes au général. Hirschi est à 2 minutes au général, de base. Là, il est pas compté comme. Voilà, les gars, c'est revenu après le petit bug PCM. Et on va pouvoir aller sur le contre-la-montre. Donc, après ce petit crash PCM, hein, ça arrive parfois. C'est pénible, mais ça arrive parfois. Le favori, c'est Stephen Kung, ok. Qu'est-ce que c'est que ces stats? 80, ouais, c'est vrai que c'est des stats assez ouf, hein. Là, c'est moins ouf quand même, mais c'est ouf. Bon, on va perdre énormément de temps aujourd'hui. Voilà. Malgré la victoire de Carapaz. Ça aurait été quand même un retour, mais on va perdre pas mal de temps, peut-être 1 minute, voire deux. Faut leur faire très 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 prudent. On va être très prudent aujourd'hui. Je pense que Pogacar perd un peu de temps sur Roglic. Bon, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est les grands favoris, hein, du tour. Hein. C'est pas ceux qui gagnent. Ils peuvent gagner 3 minutes d'avance sur nous. Ah, Juan Denis, c'est vrai qu'on a Juan Denis pour gagner aujourd'hui. C'est vrai, j'y avais pas pensé, on a Juan Denis pour jouer. C'est totalement zappé ça. T'es là, cool, t'es là, nice. Donc voilà, si. Ça va être dur, ça va être très dur. On va voir si ça donne à Juan Denis, en plus on a la pluie. Ouh là 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 là. Aujourd'hui, je vous préviens, il va y avoir des chutes. Il va y avoir des chutes sur le chrono, c'est la première fois, c'est une des premières fois que je suis en chrono avec. Avec de la pluie, ouh là là, ça va être dur, hein, avec Roras qui s'élance, avec Chase Ball. On va rester sur Chase Ball, voir comment il fait. Premier chrono, premier intermédiaire, 4 minutes, 31 27 secondes. De Juan Lamoschetti, ouais, il fait un très mauvais chrono. Warren Barguil, qui a doublé Mats Kuhn, non, c'est l'inverse. Non, c'est Warren Barguil qui fait un bon chrono alors. Warren, c'est un très très bon chrono. Pour l'instant, il va finir forcément premier, puisque c'est le premier arrivé. Et il est évidemment doublé par Jack Haig. On va lancer à fond, hein. Le problème, c'est que voilà, j'y arrivais. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Le pire live de tout le temps. Je vais mettre ça en rediff maintenant. Zaitz. Et le live le plus drôle, surtout. Pratnik. Bon, nous, on va attendre. De toute façon, on est tous très bien placés, général. Dortens qui s'élance. On va rester sur rediff à deux tirs. Bon, non, il a des stats pétées. On va attendre d'avoir un pro du contre-la-montre. Il y a une bande de Wegen qui s'élance. Je crois pas pro du contre-la-montre, visiblement. Je pense que de toute façon, les pros du contre-la-montre vont pas s'élancer tout de suite. Toujours pas. Allez, un petit. Ligébert. Venturini. Lien Calmejean. Quentin Paché. Simon Geschke. On va rester sur Geschke, voir si. Ah, il y a Victor Campenaerts, j'ai raté Campenaerts. Arrête ça. Tu vas te faire ban du live. Tu vas te faire ban du live à ce rythme. Par YouTube, même pas par moi. Ah, Van Avermaet. On va rester sur Roche, tiens. On va rester sur Nicolas Roche, qui, pour ceux qui ne le savent pas, hein, vit à Nice. Voilà. Connaît très bien Nice. 12e à 27 secondes. Pour l'instant, pas de chute. C'est assez surprenant pour avoir pas de chute. Parce que ça reste assez glissant quand même. Hein. On se Kelderman qui s'est lancé. On va rester sur Kelderman. On va voir qu'est-ce qu'il nous fait, Wilco. C'est un troisième temps. Pas si mal que ça. Hein. Il est en train de rattraper devant lui. Comme Medzek. Medzek qui va pas faire longtemps. Faire mon feu. Tu refuses quoi? Tu vas te faire ban, c'est pas moi qui veux te ban, hein, c'est. C'est YouTube, il y a une chute là. C'est pas une chute à un endroit, j'ai vu un pied par terre. Ah, la tour. J'ai vu quelqu'un tomber par terre, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais bon.
La tour, pas si mal sur Corpron, la montre, hein. Triste de Vénantien, équipier. La Galopin qui arrivait derrière, Gasser, Cortina, Kovi, Cort. Cort, c'est. Oh, ok, tiens, Cavagna. Ah, Cort, c'est Cortinson, hein. Cavagna. Je veux voir Cavagna. Voilà. J'aimerais bien qu'il gagne le condo. Deuxième temps. Ah, dommage. Dommage, Campenard plus fort. Il n'est pas dans la forme de sa vie, je pense, hein, à pas se mentir. On va accélérer tout ça, on va attendre. Le grand favori, grand partner, Maika. Tiens, Maika, il va faire quoi comme temps? Ça sert à rien. Il est déjà loin, Guita. Alaphilippe, tiens. Julien Alaphilippe. On va voir quel temps il fait. Notre cher Julien. C'est un septième temps. Pas si mal hein, par rapport à Victor Campenaerts. Il ne perd que 34 secondes. Alors, par contre, les écarts vont être énormes. Énormes les écarts avec les leaders. Si Campenaerts a déjà mis tout le monde très loin, ça va être très dur. Stephen Kung. Le favori de ce contre-la-montre, Jeff. Il fait pas un combo incroyable pour l'instant, j'ai l'impression. Il vient faire un troisième temps. Donc il ne gagnera pas le contre-la-montre. C'est Vitan Campenaerts qui est plutôt bien parti. Attention à Primoz Roglic. C'est une très bonne note. Oh, c'est très. Là, on doit gagner. Hein. Là, c'est free win avec Rohan Dennis. Hein. On est obligé de gagner. Hein. Avec des sables pareils, c'est obligé de gagner avec Rohan Dennis. Faut se rendre compte de. Non, je dirais pas les Chris Froome, non. C'est mort. C'est mort. Putain, regardez, c'est incroyable. On perd pas de jaune. Je peux me mettre à 80. Tellement je suis fort. Alors, on va rattraper immédiatement Patrick Conrad devant. Il va fumer la pipe. N'importe quoi. Le pire live de tous les temps, vraiment. Oh, Crazy Girl, lui, c'est incroyable, on a des stats 82-84. Je t'ai dit le créer. LD, en quoi ça consiste? Et note en bas, c'est les stats qu'ils ont, c'est les caractéristiques. Et plus la caractéristique en fait est élevée, plus bah, on est fort. Et là, on va peut-être ralentir un peu le rythme pour pas qu'il craque. Et là, il y a très très bonnes stats contre la montre. C'est LM, c'est contre la montre, hein, je pense que tu l'as compris. C'est un troisième temps, 3 secondes. C'était Victor Campenaerts, on n'est pas loin de Campenaerts. Alors, les autres étaient tout près, notamment Almeida, mais quand même. Tiens, on va regarder ça d'Almeida. Ah oui, c'est pas ouf. C'est pas mal quand même, hein, mais c'est pas non plus incroyable. Donc, ça veut dire qu'on est capable de gagner ce contre-la-montre. On va rester là-dessus. Dylan Van Barle. Ah tiens, Guillaume Martin, premier temps. Très très mauvais temps de la part de Guillaume Martin, ça va être dur pour lui. Ça va être très dur ce chrono, je le sens. Je sens qu'il risque de perdre énormément de temps sur les favoris. Mais nous aussi d'ailleurs, on va en perdre du temps. Hein. Faut pas s'attendre à tout, à n'importe quoi. Tiens, c'est un Storm qui s'est lancé devant. On a des meilleures notes que lui en principe. Mais Dylan Van Barle va pouvoir s'élancer. Dans très peu de temps, on va voir quel temps on fait contre la montre. On va peut-être même se mettre à 75, c'est un truc de fou. Non, pas en hurlant, non. Il fait un très bon chrono, Rohan Dennis, là. On est encore loin de l'arrivée, certes, on va peut-être baisser un peu le rythme, justement, 72, ce sera vraiment suffisant. Le Van Barle, on va laisser là-dessus, c'est par rapport aux autres leaders, quoi, ça va être pas mal, on va voir quel temps. C'est un quatrième temps, on a perdu un peu de temps, 7 secondes de perdu. On est dans le même temps que on est dans le même temps de Stephen Kung fait troisième à l'arrivée. Ça va être chaud. On va mettre à 80, parce que je pense qu'on finira plus fort que ce qu'on enfin voilà, on peut finir plus fort, en principe. Bon, pour l'instant, c'est un très bon début de contre-la-montre, hein, parce que là, c'est que les bonnes notes. Hein. Ah, mais à 90, regarde, il perd pas beaucoup de. Il perd pas de jaune, hein. Faut qu'il finisse le contre-la-montre à bloc, là. 93, même, c'est largement jouable. 80, là. Non, peut-être pas, quand même. 73. Castro qui va pouvoir se lancer avec une mauvaise note. Malheureusement, là. Castro, ça va pas être jouable. Là, on va se mettre 99, c'est largement suffisant. Regardez, 99, il perd quasiment pas de jaune. Il en perd, mais pas suffisamment. C'est un monstre du contre-la-montre, là, on va finir à fond. Et là, pour l'instant, on vient gagner le contre-la-montre. Regardez, j'aurais pu. J'ai pas l'habitude de jouer avec la contre-la-montre avec des mecs ultra forts, mais là. Regardez, on finit avec tout ce qu'on a. Il y a une coupe qui finit au sprint. Regardez tout ce qu'on a encore. Voilà, on va rester comme ça jusqu'à l'arrivée. Hein. On va plus avoir de jaune à la fin. Bon, on va bien abuser un peu. C'est un. Premier temps, s'il vous plaît. Premier temps. Premier temps. Oh là là, on l'a mis. Oh!
Victor Campenaerts, on l'a mis ultra loin, Victor Campenaerts. Oh là là. Et merci MD. Allez, Denis, et effectivement, il vient de gagner, Yoann Denis. Incroyable, 28 secondes. Il a fait un écart de folie. Julien Lafilippe, 10ème, 1 minute 2. Oh là là. Pouf. Là, c'est virtuel leader, hein, pour Yoann Denis, du coup. Bon, il va pas jouer le général, hein, parce qu'il est pas assez fort, mais quand même. Ouh. Là, il s'est chauffé, hein. NTT, c'est où? Pour voir les stats, quand même, parce que ça se dit quand même, c'est énorme. Campenaerts, c'est quand même 78-80. Là, c'est 60. Et Yoann Denis, c'est pas du tout les mêmes stats. On va retourner sur Dylan Van Baarle, mais c'est énorme, là, les stats. Incroyable. Incroyable, ce chrono de folie. Chrono de folie. Incroyable. On met déjà hors temps, hors course. Victor Campenaerts pour la win. Pour la win. Et mauvaise forme, malheureusement. Pour Pavel. Oh là là, il est loin, Victor Dylan Van Baarle. Oh là là. Pff. Ah, ça change comparé à... C'est sûr que c'est pas le même chrono, hein, réalisé par Van Baarle. Par contre, s'il reste dans le même temps, il peut finir devant le top 10, hein. Parce qu'il perd une seconde sur l'arrivée quand tu compares, il y a une seconde d'attente sur Julien. Dans le même temps que Nelson Oliveira. Donc, pourquoi pas, hein, on va peut-être baisser un peu le rythme quand même. Bon, il y a les molos. Et je voulais te dire, pour ceux qui ne savent pas, Pavel Sivakov, il peut devenir français. Il y a de grandes chances qu'il devienne français, et d'ailleurs, il l'envisage. N'importe quoi. T'as vraiment pas d'idée, hein. t'y vas vraiment ou pas? Parce que. Ce que tu dis, est-ce qu'il est vrai? Là, on va être obligé de baisser le rythme. Ouais, c'est le problème, on va devoir baisser le rythme. Là aussi, on va baisser le rythme. Il va exploser. Et là, on va pouvoir accélérer à fond 99. Ah non, on peut pas. Ah, c'est 64. Swift, il s'est lancé. Est-ce que c'est vrai? J'arrive pas à savoir. C'était pas parti du live, là. Là, on va accélérer à 99. Pour faire un. Un 32ème temps, un 35. Bon, il est très long, hein, mais pas mal, finalement. Pas si mal que ça. Castro, bon. C'est pas tout ce qu'il faut. Hein. Castro Viero, bon, accélérer. Hein. Bon, il fait pas un très bon pronom, hein, sans surprise d'ailleurs. Hein. Mais bon. Sur cette bosse là. Ah ok. Et 7ème temps. Oh pas mal Castro. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bon temps Castro Viro les gars. 7ème temps 52 secondes. Bon du coup je pense que voilà s'il part hein, et on va arrêter le live. Hein. On aura fait 5 étapes pour aujourd'hui. J'attends de voir s'il part vraiment. Mais en tout cas, oui, sinon j'arrête le live hein, s'il part. Je commencerai pas d'autres étapes, ça servira à rien. Avec son petit plus 1 là. Et Carapaz maintenant s'est lancé avec moins 1. Bon, ça c'est moins ouf. Bon. On va baisser un peu le rythme. Katoski aussi. Bon, Katoski on s'en fout un peu, hein, mais bon. Qui est passé au premier inter avec les 65e. Oui. 15 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, tiens. Bon, Juan Denis, normalement, c'est free win. Hein. Je vois pas comment il peut te battre. Faut juste en faire un bon contre-la-montre. Ah non, mais c'est... j'ai oublié, Alexander Christophe, il est nul. En contre-la-montre, il est nul. Tiens, Pino Pogacar. Ouh, c'est loin, c'est très très loin. Bernal, c'est combien? Il est pas encore passé au l'inter, mais c'est pas ouf. Hein. Ah, il est parti, ED. Il est parti. Bon du coup on va faire la fin de ce chrono puis voilà. Alors après vu qu'il part il revient des fois, je sais jamais mais bon. On va finir le chrono puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On est très loin encore ça. Bon, je crois qu'on est dans le même temps que. Ouais, on est dans le même temps que Pino et Ouais on est dans le même temps que Pino avec Egan. Carapaz on va laisser là-dessus. Bon, il est loin Carapaz. Il est encore plus loin que. Ouais. Bon, on est dans le même temps que Pino pour l'instant avec Egan. Et par contre, Carapaz est très 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 loin. Ouf.
Et reprendre mes cadets thèse aujourd'hui. Hein. On va finir le live dans pas longtemps. Avec les 2 km restants, on va pouvoir accélérer. C'est beaucoup plus avec Ben Swift. Oh, mais là, on va être humide avec Ben Swift. Hein. La côte, t'inquiète pas que je vais la drailler la côte là. Et si il reste quand même jaune. Elle est peut-être un peu mollo là quand même. Et la séance 99, on va voir quel temps il fait. Ben Swift, et c'est un 45e temps. Bon, c'est pas mal. C'est encourageant, on va dire ça. Cette City qui va bientôt arriver. Bernal, il prend cher Bernal. On est en train de rattraper, désolé, mais il prend cher Egan. Pour Egan, ça va être dur. Je l'annonce. Hein. Carapaz, lui, essaie de faire le meilleur chrono possible. Et il prend cher. Ils prennent tous les deux très très cher. On va finir avec Katoski. Je pense pas qu'on va faire un temps très très ouf hein, aujourd'hui. Avec le moins 2. Je vais pas s'étonner, Pogacar. Non, c'est Christophe. Qui finit en 4 minutes de retard, Christophe. Katoski, c'est 27ème, ok. Bernal, bah, il donne tout, hein, que je vous dise. Ça va être dur hein, pour lui, Egan, de faire quelque chose. Hein. Juste voir, est-ce qu'on a du temps de Pogacar? Poga. On a du temps, nice. Pogacar, 1 minute de perdu pour Poga. Roglic. Bon, Juan Denis, c'est gagné, hein, c'est sûr maintenant, mais il n'y a plus concurrence. Va-t-on arriver avec Egan hein. On peut être plus fort avec Egan en fait. J'ai pas l'habitude vraiment de jouer avec des mecs grave forts. Là aussi, on peut être plus fort. On peut être bien plus fort. C'est quoi? Une mine là? On va mettre une mine avec Egan. Bon, la bosse là, faut qu'on récupère tout le temps qu'on a perdu. Allez, Egan, allez, 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 allez. On tire un peu le rythme derrière avec lui là. On va faire hein, 1 minute perdue. 1 minute de perdu. On est dans les temps pour Pogacar, je crois. 1-06. On perd 2 secondes sur Pogacar, les gars. Franchement, perfect. Perfect. Bon, Roglic, tu mets déjà très bien. 30 secondes d'avance sur Egan. Mais bon. Bon. Par contre, Carapaz, il a raté la fin chrono. Mais littéralement, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait de la merde, les gars. C'est pas grave, c'est pas le leader, mais quand même. C'est 1,42. Ouais, bon, il perd 40 secondes sur Bernal, quoi. Super. J'avais pas pensé qu'il reste encore quelqu'un derrière. Bon. 1 et 10. Ça fait plaisir. Superbe. Vraiment superbe victoire de Juan Denis. Ça permet de. Bah, du coup, de s'imposer. Deuxième victoire aujourd'hui, hein. Avec Juan Denis, super fort aujourd'hui, un surhomme de voir Remco Evenepoel et Rigo Pato. Le leader, c'est Juan Denis, du coup. Et oui. Bon, ce sera pas leader de général, mais bon. On est... Ah oui, du coup, on se retrouve devant. Ah oui, on est bien avec Egan, finalement. On a qu'une minute de retard. C'est pas beaucoup. Remco Evenepoel est très bien. Mais non, on est super bien avec Egan, quand même. Remco est pas grand favori du tour. Sur Roglic, qui est clairement le grand concurrent, on est très bien. Pas de changement au niveau de meilleur grimpeur, ça c'est cool. 3 premiers. Au classement par points, Caleb Ewan, bon bah sans surprise, toujours bien devant, hein. Il va sûrement le remporter d'ailleurs, et Remco Evenepoel, et du coup il est devant Egan Bernal, mais Egan Bernal va le porter, je pense. Egan Bernal va pas le porter, non? Non, parce que forcément, il y a quelqu'un d'autre devant. Donc là, du coup, les écarts sont déjà faits. Il a pris cher Carapaz, hein. Une 33 de retard. Bon, après, il a que 20, une trentaine de secondes à peine, hein, de retard, mais bon, quand même. Pogacar est juste derrière nous, hein, pour 4 secondes d'écart. Bon voilà, les écarts malgré le contre-la-montre n'ont pas été faits. C'est assez surprenant. Mais pas d'écart réalisé. Voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le live. Je pense que demain, il y aura un nouveau live. Bon, là, écoutez, Tour Fatoru, c'est pour demain. Voilà. On va rester sur un rythme de vidéo assez fréquent. Faudrait pas qu'on finisse toute la série aujourd'hui, ce serait dommage. Voilà, il y a 21 épisodes. Demain, il y aura sûrement des vidéos à venir. Sûrement. Sur pro-cycling, encore sur pro-cycliste. Voilà. Je vais décider de lancer une carrière pro-cycliste. C'est un peu tard, c'est vrai, même très tard. Mais bon, voilà. J'avais envie, j'ai envie de vous dire, j'avais envie. Voilà. Allez, bah, écoutez, merci beaucoup. Puis
À bientôt. Pour un nouveau live. Peace.